Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbitude, épisode 9. Barbitude, c'est une compilation de quelques vidéos trouvées ici et là, avec des poils dedans. Au sommaire cette semaine, une guitare en carton, un piège à souris, un moteur de fusée imprimé en 3D et plein d'autres choses évidemment. On commence avec une vidéo bien marrante, avec comme défi, d'essayer de fabriquer une guitare avec du carton. Pour ce faire, ils vont chez un spécialiste du carton, et ils s'adressent aussi à Fender, le fameux constructeur de guitare, pour essayer de tenter de faire une guitare Stratocaster entièrement en carton. Vont-ils réussir? Je vous laisse découvrir le résultat dans la vidéo. Lou, de la chaîne Unbox Therapy, ce qui veut dire la thérapie de l'ouverture de boîtes, ouvre des boîtes, le plus souvent des produits électroniques ou divers gadgets, c'est son métier. Dans cette série, il applique le même traitement qu'il ferait pour le dernier iPhone ou la dernière tablette Samsung, mais à des produits vraiment pas chers, et se pose la question, est-ce que c'est vraiment pourri? Dans cet épisode, il teste une montre connectée qui lui a coûté 15$. Worried. Oh, that was a sick tune. Not super bright. I can scroll on it. You cannot see this screen, man. It had power saving on. Now it's much brighter, isn't it? Settings, language, clock. Okay, cool. Ringtone. Whoa, it's a pretty strong vibration. Merdique, génial, bof, je vous laisse la surprise. Le damas est une technique de forge qui consiste à faire des sandwichs d'acier avec des taux de carbone différents et de les forger. Quand on applique de l'acide, différentes formes qui révèlent les différents taux de carbone se révèlent pour donner des formes intéressantes. C'est un procédé tout à fait impressionnant et très intéressant à regarder. Dans cette vidéo, un forgeron plus ou moins amateur tente ce procédé. Cool. The nail polish is handy because it gives me a place to hold it. So we'll see. It's still scaly and dirty and we'll clean it off and see what it looks like up close. Handy old toothbrush. Gets all that scale off perfectly. So now... Et donc applique de l'acide sur certaines lames qu'il a forgées avec ce processus. Âme sensible et amoureux de la nature, passez votre chemin. Dans cette vidéo, on apporte la preuve de l'opportunisme de certains animaux. De certains animaux végétariens, qui pourtant, quand l'occasion se présente, se transforment en carnivores. Comme dans cette vidéo, où on voit Bambi qui mange un oiseau. En même temps, il avait bien cherché cet oiseau. The Wood Whisperer, ou... Je sais pas comment on traduit ça en français. Et sans aucun doute, le premier podcast qui m'a fait aimer le travail du bois. Marc diffuse ses vidéos sur diverses créations et techniques depuis des années, avec une communauté fidèle et des projets toujours super intéressants. Ici, il nous montre la création d'une table de jeu avec des plateaux escamotables et des supports pour tablettes. Tout ça pour jouer à vos jeux de plateau préférés. Si vous êtes comme moi, un joueur, et que vous aimez le travail du bois, une vidéo à regarder absolument. Une vidéo qui sort un peu de son domaine de prédilection, le bois. Mathias Vandel tente ici de construire un piège à souris amélioré. A piece of wood with some plastic on there so that the mouse can't really claw into it.
and it tilts on here. There's a bolt back here for counterweight. And I want this to actually dump kind of unexpectedly, so there's a little magnet on the back and a piece of wire sticking out here so that as the mouse gets on here, eventually it just lets go and dumps the mouse suddenly. Slowly taking the bait, and there's no warning. Everything is very stable. With the magnet weakening as it gets further away from it, once it starts to tip, it'll really tip. Une caméra, un Raspberry Pi, un seau, super intéressant. On parle souvent de l'impression 3D, cette nouvelle manière de fabriquer ou prototyper tout ou presque n'importe quoi. Pendant que la presse lance des débats débiles et stériles sur l'impression d'armes à feu en 3D, la NASA tente d'imprimer un moteur de fusée avec cette nouvelle technique de fabrication. Deux petites vidéos d'un premier essai qui paraît très prometteur. La NASA, comme d'habitude, toujours à la pointe de la technologie, et prêt à nous étonner une fois de plus. Voilà, c'est tout pour cette fois. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des insultes, n'hésitez pas à nous contacter par email, par Twitter, bien sûr, partagez massivement cette vidéo. Et si c'est pas encore fait, quoi c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne Tontube. Vous pouvez aussi rejoindre le clan des Barbutipeurs et nous aider à produire les vidéos de Barbitude et les épisodes plus classiques de la Grotte du Barbu, en nous laissant quelques euros par mois. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Faites des trucs, inspirez-vous, et que la Barbitude soit avec vous.